Patience, les filles, j'ai presque fini. Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais! Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte! De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de Sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Ben ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes! Et puis, il n'y a pas d'eau chaude ni d'électricité. Je pourrais pas brancher ma console de jeu. Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Ouh, du camping bio. Oh, c'est une idée formidable. Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci. Ah, 1000 km à pied, ça use, ça use. 1000 km à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone? Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied. Pff, oh là là, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Maluk commence à préparer les abris. Tut tut tut, on ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte. Avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Wouah! Vous avez même des sacs de couchage. Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombée dans la rivière. Bravo! Je suis fière de vous. Matt, viens m'aider à ramasser un peu de bois. Alors là, je te tiens mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier. Tu te sens bien? Hyper bien! Je me sens tellement proche de la nature! Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Elisa! Elisa, c'est pas si grave si t'as pas de plume. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort.
Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous privez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le flop à chat va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus. Même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table les enfants. Assez, vous êtes en train de tout gâcher. Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben nous aussi. Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu. Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au flap à chat ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça? C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le flap à chat. Ah, et si au moins on respire? Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici, c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rousse péteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Bah, il faut pas trop en vouloir, Lisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, flap à chat. Je voulais pas vous crier dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Ouais, puis Thérèse aurait honte de moi. Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de Sioux, offerte par le flap à chat. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le flap à chat avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Je la mérite plus de toute façon. Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien. On est perdu. Lisa, il n'y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non. Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez. S'il te plaît. Par ici, les petits Sioux.
gentil d'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Mmh. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Merci, Flapacha. Dorian. Brian.